congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Célébration ce mercredi 17 mai 2023 de la journée nationale dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. À Goma, cette journée a été marquée par un culte œcuménique et des allocutions d'hommage et d'interpellation aux vaillants militaires des forces loyalistes. C'était sous la houlette du lieutenant-général Constantin Makongba, gouverneur du Nord Kivu et commandant des opérations ici en province. Dans son mot de bienvenue, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pezo, a exhorté les forces de défense à l'observance des principes militaires et à la vigilance tous azimuts afin d'être prêts à tout moment pour faire face aux menaces des envahisseurs et de la criminalité urbaine. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour saluer les efforts des FARDC dans sa mission de défense de la patrie. Constant Dima a reconnu que le chemin à parcourir est encore long en dépit des efforts fournis. À travers l'instauration de l'état de siège, pendant que nos forces armées étaient en phase de neutralisation des groupes armés pour pacifier cette province, l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise, sous le label du M23, est venue réduire les efforts fournis par les troupes engagées au front. Malgré cela, nos forces ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale. Au chapitre des prédications, le colonel Abbé Avuna Jean Bosco tué pour le suivi des dossiers de spoliation de parcelles de l'État à Goma, a poursuivi son travail ce mardi 16 mai 2023 dans la grande salle du gouvernorat sous la direction du lieutenant-général Constant Dima avec tous les membres composant cette commission. Au cours de cette réunion, il a été passé en revue le dossier qui défrait la chronique, celui du foyer social tant évoqué sur les réseaux sociaux. John Banyené, membre de cette commission ad hoc et coordonnateur de la société civile provinciale du Nord Kivu, s'est dit éclairé quant à ce. Après avoir écouté les explications fournies par les services techniques, le dossier était déjà au niveau de la justice. Il y a un problème de communication. À part les problèmes de communication, il y a aussi un problème
de manipulation de la population, parce que pour ce qui concerne les dossiers foyer social, je viens d'apprendre même dans la commission qu'il y avait un procès. Et le procès était pour deux parties où on est en train de citer les noms d'une dame et la fondation Mobutu. Et c'est comme si la fondation avait gagné le procès et la dame qui représente, je dirais, l'État congolais avait perdu le procès. Et je peux le dire et dire à la population que le gouverneur de la province n'y est pour rien. La population est appelée à plus de vigilance et à éviter la manipulation, selon le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. La population, lorsque elle n'est pas bien informée, elle a certainement droit de mal agir et d'être manipulée. Et c'est ça qui a permis à ce que les huissiers puissent aller détruire et non détruire le foyer social. Ça, notre population doit le comprendre, contrairement à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. La perdante, lors de ces procès, a spolié une partie du foyer social. Et quand les huissiers sont descendus sur le terrain, c'était juste cette partie qui était concernée. Parce qu'elle avait perdu les procès et normalement, les dossiers étaient devenus exécutoires. On devait procéder à la destruction de cette érection ou bien de la construction de la bâtisse au sein même du foyer social. Signalons que la commission poursuit son travail sur le terrain. Les violences orchestrées par les groupes armés locaux et étrangers pendant plus de deux décennies en Ituri n'a pas causé que de pertes en vies humaines. La destruction dévastatrice des infrastructures socio-économiques et administratives figure parmi les mauvais souvenirs de la guerre en Ituri. La reconstruction de ces infrastructures socio-économiques de base ainsi que celle des routes constitue un défi majeur auquel fait face l'administration militaire dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. La phase de la stabilisation et développement entamée nécessite l'apport de tous les Ituriens, insiste le gouverneur militaire de l'Ituri. Le clou que le chef de l'État est en train d'enfoncer, c'est que nous allons arriver à la stabilisation et puis le développement. Et l'Ituri mérite ça. Nous avons tout. Le chef de l'État veut et il insiste que l'Ituri profite des projets qu'il a. Le développement, tout le monde vient avec les moyens. Nos partenaires viennent avec les moyens. Le gouvernement congolais vient avec les moyens. Il ne reste plus que le peuple, les communautés. Pour ce faire, les populations doivent retourner dans les zones déjà conquises par le FARDC en vue de la relance des activités socio-économiques, un facteur clé du développement. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Vous avez entendu les messages de nos partenaires. C'est vrai, ils veulent nous aider. Mais ils sont limités. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Notons que plusieurs projets ont vu jour en cette période de l'état de siège en Ituri, notamment la rénovation du gouvernorat et celle de la mairie de Bounia, la construction du marché central de Bounia, l'asphaltage de plus de 20 km de la voirie urbaine de Bounia, la construction du bureau administratif d'Irumu incendié par la milice Chinya Kilima avant l'état de siège, la réouverture et la réhabilitation de plusieurs kilomètres sur la RN4 et RN27, des indicateurs du changement tant voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie nord-est de la RDC. La cité de Mongata et ses environs, situés à plus de 150 km à la limite entre la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, ont retrouvé la quiétude après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. La paix dans cette partie de notre pays a été perturbée le samedi 13 mai 2023 aux environs de 4h du matin par les hors-la-loi Yaka, appelés Mobondo, auteurs de l'insécurité dans les Kwango et dans la commune urbano-rurale de Maluku. En mission d'inspection au péage de Bachongo, à la limite entre Kinshasa et Kwango, le colonel Kabwe Banze, bienvenue, commandant du bataillon de FARDC,
de la province du Kwango, en provenance de Kenge, tombé dans l'embuscade de Mobondo, a été sauvagement tué, lui et ses trois gardes de corps. Informé de la situation, le général-major Kizimu Mbuyustazin, commandant de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a reçu mission de ramener la paix dans cette périphérie de la capitale. Son arrivée et celle de renfort a non seulement maîtrisé la situation et ramené la paix dans la contrée, mais aussi permis la reprise immédiate de la circulation interrompue suite à l'insécurité provoquée par les Mobondo sur la route nationale numéro 1. Témoignage d'un usager de ce... chauffeur ya New Ereka. Nakabouba va monter Balubino. Bachongo na mongata et comme nango déjà libre mais malgré tout ça ma boka ya bangondo bokokeni to bandi ko landa na ti to komi awa na bachongo juste place tracteur wana za tele mi wana za ba kamé belé tant to leki nzoba misuba za laki na ndenga sima bakangi biso patem suso wana singa biso 10 000 ko za na posa ba lexaye ale kati na ngambu apesa 300 000 ne 300 000 za rite to mo luka ba 10 000 to pesa ba Je suis un transco, je suis un transco. Militaires ont rapidement repris la situation en main et rétabli l'ordre et la sécurité dans la zone. Le général Mstazin, après avoir rapatrié les corps du colonel Kabwe et ses gardes de corps, à Kenge, fait le point de la situation. Voilà, nous sommes là, effectivement, c'est pour des raisons de conservation. D'abord, il faut reconnaître que ce matin, c'était à 4h du matin, les assaillants, une fois de plus, ont voulu troubler la quiétude. Ils se sont attaqués à la population. Heureusement que les militaires ont été vraiment éveillés. Et au niveau de Mongata, ils ont neutralisé plusieurs assaillants. Et ici, à Bachongo, évidemment, ils se sont attaqués à la chose au péage. Et finalement, ils ont créé un désordre jusqu'à tuer une femme. Alors, il fallait absolument que nous venions constater. D'abord, voir ce que le travail que les militaires ont fait, le bon travail d'ailleurs, parce qu'ils ont neutralisé les assaillants. Quand bien même la population a fui, mais au moins aucun civil n'a été tué. Et après, bon, essayer encore de revoir, de réajuster comme toujours nos positions. Et après, bon, voilà, causer avec les militaires pour voir ce que ça peut donner. Ah d'accord, pour la population, d'ailleurs, vous êtes témoins, nous sommes à Bachongo. Et nous venons de l'intérieur. Hein. Nous sommes partis à 2-3 km de Kwango. C'est Maïndombe, je pense. Alors nous venons de là. C'était une patrouille juste pour voir un peu la situation sécuritaire. Les choses sont calmes. La population est demandée de rentrer, n'est-ce pas, dans son village, continuer avec ses activités. Et donc le calme est rétabli, il n'y a plus de peur, et la population rentre, les militaires sont là, ce sont leurs enfants, hein, n'est-ce pas, qui ont travaillé pour les sécuriser. Maintenant que le calme est revenu, ils rentrent pour continuer avec leur vie d'habitude. En ce qui concerne le véhicule, vous êtes avec moi, on a lancé, n'est-ce pas, on a demandé à ce que le trafic recommence et donc il y a des véhicules qui passent, il n'y a plus un souci. Les gens passent sans problème. D'ailleurs, vous êtes témoin, il y a même un membre du gouvernement qui a été avec nous ici, n'est-ce pas, qui part à Kwango. Et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude actuellement. Les gens passent. On a ouvert le trafic et donc tout est bon. Cinq jeunes délinquants, auteurs de l'insécurité dans le quartier Gramalik et anciens combattants, dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, ont été arrêtés par les FARDC.
venus en rescousse de la police nationale congolaise. Ils ont été acheminés près les services spécialisés pour des investigations approfondies. Ils sont ici présentés à la presse par le général-major Ekengebo Moussa Ifomi Sylvain, porte-parole des FARDC. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55 et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés et il reste deux qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales, à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers des Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent. On ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre ce soir au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kuruna. La haute cour militaire a poursuivi lundi 15 mai 2023 à Kinshasa l'instruction en procédure de flagrance de la cause opposant l'auditeur général, ministère public, au général-major Louyambi Madilou. Le prévenu Louyambi administré à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est poursuivi pour arrestation arbitraire, détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, torture, contrefaçon et séquestration. L'audience d'ouverture tenue jeudi 11 mai 2023 a été consacrée à l'identification du prévenu suivie de l'audition de deux victimes sur quatre au total dans leur déposition. Ces victimes ont affirmé avoir été séquestrées pendant un mois à la résidence du général-major Louyambi pour des actes de torture. Cette résidence, 6 avenue Kachama au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula, a été perquisitionné par une équipe de l'auditorat général près la haute cour militaire. Selon le rapport de la mission présenté à l'audience du vendredi 12 mai 2023, les objets ci-après ont été saisis sur le lieu. Il s'agit de 20 armes AK-47, 27 chargeurs garnis, un lot de tenues militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, 117 munitions en vrac et 4 cartons contenant des morceaux de bois. Les deux autres victimes, à savoir Amal Assabin et Moussafir Moussa Job, ont été entendus faisant leur les déclarations des deux premiers comparants. Prenons la parole à son tour. Le prévenu Louyambi a rejeté en bloc ses dépositions, indiquant qu'il va porter plainte pour diffamation. La haute cour militaire a poursuivi lundi 15 mai 2023 à Kinshasa son audience dans l'affaire ministère public contre le général de brigade Lombe Bangwangu Emmanuel et le commissaire divisionnaire adjoint Vumilia Tendilungi, respectivement ancien commandant de la 21e région militaire et ancien commissaire provincial de la police au Kasaï. Les deux officiers généraux sont accusés de crimes contre l'humanité par viol, crimes contre l'humanité par empoisonnement et crimes contre l'humanité par meurtre. Les faits de la cause révèlent que pendant l'exercice de leurs fonctions, en 2017, les forces de défense et
de sécurité avaient tué et violé des femmes au quartier Molombodi, occupé par les miliciens Kamuna Sam. Après identification du prévenu Lombé, les avocats de la partie civile ont formulé la demande de la tenue d'une audience foraine sur place à Kananga. Le prévenu Vumilia a pour sollicité une remise de 2 semaines pour déposer le mémoire unique. La haute cour militaire a jugé de remettre la cause à la huitaine tout en invitant le prévenu à déposer sa requête. La cour a promis de réserver suite à la requête des parties civiles à la prochaine audience. Une chambre du tribunal militaire de garnison de Kisangani a siégé en foraine dans l'enceinte de l'état-major 33e groupement aérien en procédure de flagrance ce lundi 15 mai 2023 dans une affaire de meurtre qui a opposé l'auditeur militaire de garnison et ministère public représenté par les majors magistrat Kabuya Mwanjambita contre le prévenu caporal Kilonge François du 33e groupement aérien. Pour rappel, étant des gardes à l'amigo de leur unité où étaient incarcérés les caporals Omekongo Muyomba Paul de la garde républicaine la nuit du samedi 14 mai 2023, le prévenu Kilonge François a tiré 2 balles à l'aide de son arme AK-47 sur le détenu Omekongo, qui en est mort sur le champ dans le cachot. Arrêté cette nuit, le prévenu est présenté à l'audience où il est poursuivi ce lundi du chef de meurtre, violation des consignes et de la dissipation des munitions de guerre. Dans le verdict ci-après. En conséquence, qui est établi en fait comme en droit, toutes les incriminations mises à charge du prévenu. Les condamnés à la peine de mort pour remettre à 10 ans pour dissipation de l'émission de guerre, à 5 ans pour violation des consignes de guerre. Prononce par l'effet consigné des infractions à propos matériel et idéal, celles conformément à l'article 7 du Code pénal militaire, une peine est unique, celle ayant la plus forte protection pénale, à savoir la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. S'agissant des objets saisis, le tribunal de saisie ordonne la restitution de l'arme AK-47, numéro 1789, ainsi que ses 27 munitions au 3e groupement aérien pour utilisation. Ordonne la restitution des effets personnels du défunt dans le Congo, Moyomba Jean-Pierre, à ses ayants droit via le commandant Task Force. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Na
Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka Nabiso.